venu ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, ma musicien. Merci ceux qui montent vers nous et ce soir dans la louange, l'adoration. Merci pour toute votre aide. Merci pour la grâce de Dieu. Amen. 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 Qu'est-ce qui est content pour toi dans la présence de Dieu ce soir? Amen. Je passe directement à la parole de Dieu et je vais faire une série d'études sur le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, texte de base qu'on a trouvé, plume, papier, crayon, la règle gomme. Amen. Amen. Tout au côté, amen, pour nous capables. Et honte, pour faire une récapitulation, c'est qu'il nous fait une semaine. D'accord. Mais avant toute chose, nous vous basons sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais avant qu'il m'aille de l'avant pour la lecture de la parole de Dieu, il y a trois choses qui empêchent et bloquent le Saint-Esprit. Amen. Trois choses qui empêchent et bloquent le Saint-Esprit. La première, c'est manque de connaissance. Mm-hmm. Ne pas connaître qui est le Saint-Esprit. C'est une, c'est pas une chose ou quelque part un objet. C'est une personne. C'est Dieu lui-même qui habite en nous. Amen. Deuxième, c'est un manque de foi. Je viens à la foi. Ne dire pas quelque part, tournez. Saint-Esprit, donne-moi bien. Saint-Esprit, lui, apporte-lui un zis pour pasteur, zis pour ça, zis pour ça. Non, non, non. Le deuxième manque de connaissance. C'est un homme qui nous a fait que l'église fait à cœur. Mais nous avons la connaissance. Deuxième manque de foi. Frère, avec moi, nous connaissons la foi du Saint-Esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de là? Par bon Dieu. Quand nous tendez, nous vous comprenons. Troisième, quelque chose qui bloque le Saint-Esprit, c'est notre vie charnelle. Ça, il vous bloque. Amen. Godly, parce que demain, semaine à venir, nous vous quelque part bas sur cela. Mais aujourd'hui, l'étude, il y a un petit peu. Est différent. Le livre de Jean 14, texte de base, chapitres 16 et 17. Amen. Jean 14, 16, 17. Jean 14, 16 et 17. Ouais. Trois versets qui vous mettent texte de base aujourd'hui. Amen. Jean 16, 12, 13, deux pages après, et Matthieu chapitre 3, le verset 11 et le verset 16. Non, tout doucement, non, tout doucement. Jean 14, 16, 17. Nous disons ça la dernière fois. Amen. Et nous vous personnalisons pour nous intimement. Et moi, je prie le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Nous tout personnalisons ce verset-là pour nous. Vous prêts? Amen. Amen. 1, 2, 3. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, non, mais moi, dis bon, hein? Mais moi, je le connais car il demeure avec moi et il sera en moi. Il demeure avec moi, il sera en moi. En moi. En moi. En moi. Voilà. Jean chapitre 16. Le verset 12 et 13. Jean 16, 12, 13. Amen. Et juste après ça, en grâce, nous rendons et récapitulation que nous rendons l'étude d'aujourd'hui, ce soir. Jean 16, le verset 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Amen. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Matthieu chapitre 3, le verset 11 et 16. Matthieu chapitre 3, on va rester aujourd'hui là-dessus. Le verset 11 et puis le verset 16. Matthieu, chapitre 3, le verset 11 et le verset 16. Vous Amen. C'est Jean qui fait dire, Matthieu, chapitre 3, le verset 11 et 16. C'est Jean-Baptiste qui descend. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de
Saint-Esprit est de feu. Le verset 16, important. Dès que Jésus eut été baptisé et sorti de l'eau, et voici les cieux ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. On va dire à Dieu merci ce soir. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mobile devant toi, papa. Seigneur, vous glorifiez toi, Seigneur Dieu, personne parmi ton énorme, mais aujourd'hui, vous demande de la grâce, de la paix, de la joie, de l'amour, de couverture au milieu de nous. Seigneur Dieu, que la parole de Dieu est capable d'être bénédiction dans la vie de ton peuple. Papa, me louer toi qui te bénis chacun d'entre nous. Et nous dirige-nous, Seigneur Dieu, que cette parole est capable d'être bonne semence sur la bonne terre. Seigneur de ta parole, de finir, Seigneur Dieu, papa. Côte là, Seigneur de l'Ikouma, Seigneur Dieu, être l'épée à double tranchant qui s'épaule. Le Sénamuel, l'âme et l'esprit. Put your words in my mouth and let thy words be like fire. The people that listen be like really can show. Holy Spirit of God, blow in this place. Moi, invoque-toi et me demande-toi, Seigneur Dieu, papa. Soufflez sur nous, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous tenons bien. Amen. Amen. Récapitulation. Dans une semaine qui finit passer, nous finissons de comprendre que la Trinité de Dieu, nous dit la Trinité de Dieu. La Trinité de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, ils font partie de la Trinité. Amen. De notre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Dieu, le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Amen. Amen. Et aussi, nous finissons de comprendre que lui habite en nous. Amen. Amen. La semaine dernière, nous finissons de guetter la grandeur de quelque chose qu'il y fait. Lui prend, lui convainc nous de nos péchés. Et la fois qu'on nous faillit à nos péchés, il y a même nos péchés devant nous pour nous faire deal avec lui. Et là aussi, la semaine dernière, tu étais que Dieu, le Saint-Esprit, montre-nous comment vivre dans la vie. Pas juste le péché, vivre droit, content des uns des autres, et dans un principe de vivre. Amen. Amen. Et aussi, nous tu étais que là, il dit à nous vivre dans la justice. Vous êtes amen? Cette semaine, nous pourrons comprendre le thème de ce message cette semaine, c'est comprendre sa façon d'agir. Understand his ways. Ok? Maintenant, et aussi semaine prochaine, on va regarder comment qui arrivait quand le Saint-Esprit vient dans nous. Amen. Amen. Mais nous allons rester aujourd'hui sur comment nous comprendre sur la façon qu'il y travaille. Amen. Amen. Maintenant, nous allons regarder aujourd'hui, suivez-moi bien, nous allons tout doucement, vous êtes capable de comprendre. Nous venons trouver dans l'histoire de la parole de Dieu que le Saint-Esprit vient descendre sur Jésus-Christ. Quand il vient descendre sur Jésus-Christ, il dit qu'on m'a dit comme un colombe. Et aujourd'hui, mon envie explique que le Saint-Esprit, ce n'est pas un colombe. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une flamme. Il dit dans la Bible qu'il était comme un colombe. Comme, tu dis comme. Maintenant, vous êtes capable de vous expliquer un petit moment là. Le Saint-Esprit, il dit qu'on m'a dit un colombe. Quand il vient, nous devons comprendre que le mot comme en anglais, C-O-M-M-E, veut dire il dit qu'on m'a dit, il ressemblait. Il y a quelque part une relation avec lui. Nous pas capables dans l'église nous mettre un dessin d'un, pour prendre l'exemple d'un colombe ou quelque part un diffé. Parce que pourquoi nous avons une tendance qui est là. Beaucoup de fois nous faisons un erreur. Moi je critique personne. Hein. Si on a dans l'église et dans l'église, pas critique maintenant. Dieu va appeler nous pour nous critiquer. Mais il est important pour nous capables ouvrir l'intelligence pour nous comprendre aujourd'hui. Le Saint-Esprit c'est plus que cela. Mais avant qu'il m'aille de l'avant, nous bouquettons les caractéristiques. Tenez-moi bien. Pourquoi la Bible dit comme cela? Il dit comment dit le colombe? Pourquoi la Bible dit comme ça quelque part? Le Saint-Esprit m'a dit le feu. Regarde, il dit comme ça, on dit pour baptiser toi de l'esprit et de feu. Pourquoi y associer-nous avec ça? Nous pouvons l'aider aujourd'hui. En regardant cela, en comprenant cela, nous pouvons comprendre sa façon qu'il y travaille. Façon qu'il y agit. Sachant ce façon qu'il y agit, beaucoup de gens disent, ma frère, Amine, ou pas connu, le fameux peut prier, mon sentiment est courant, là, au moins. Moi, on est pas mal qui gagne des ans, c'est un passement d'expérience, pareil. Frère, mon sentiment est divin, il rentre dans la salle. Nous pouvons guetter aujourd'hui, mais est-ce que, comment ça se passe? Amen. Et aujourd'hui, première chose, nous dit d'un colombe. Beaucoup de fois, nous prenons l'exemple d'un colombe, mais aujourd'hui, nous pouvons guetter les caractéristiques d'un colombe. Première caractéristique, qui nous capable d'aider du Saint-Esprit. Comprends-moi bien, nous allons de l'avant. Je t'amène. Amen. Amen. La première chose, c'est que le Saint-Esprit, dit comme un colombe, moi je vais mettre là-bas, un colombe n'est pas comme dire un aigle. Donne-moi bien, je peux comment dire, je peux commencer à comprendre le monde spirituel. Et tu commences à dire ça, comprends. Le monde spirituel, c'est un des mondes différents de ce qu'il devait trouver. Comprends-moi bien. Maintenant, le Saint-Esprit premier, comme dire un colombe,
Un colon qui part, moi dit un lait. Un lait, quand il descend prise. Mm. Mais donne-moi bien. Jean finit dire, me trouver, quand il finit baptiser, Jean dit comme cela, me trouver comment l'Esprit de Dieu finit descendre nous lit comme un colon. Blier colon, nous parlons les qui ressemble les colons par rapport au Saint-Esprit. Amen. Quand un colon descend, bon, on est sur le tapis, un goût, Google, un goût, nous, Internet, vous trouvez. Quand il descend, il ne va pas descendre de suite. Nous appelons ça, il planer. Suivez-moi bien, je vous comprends, côté mon bureau d'aller. Il planer. Ça, même dans le livre de Genèse, chapitre 1er, dis-moi, l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Mouvait, c'est hovering. H-O-V-E-R-I-N-G. Hovering, c'est quoi? Il peut, sorry pour le mot, il peut glisser. Maintenant, tenez-moi bien. Les caractéristiques de the dove, qui sont capables de dire la colombe, pour relater nous avec le Saint-Esprit. Beaucoup de fois, tenez-moi bien, ça peut sauter. Le Saint-Esprit, quand il peut venir dans notre vie, beaucoup de fois, nous pas donner les temps pour y atterrir dans la vie. Parce que pourquoi? Il descend avec douceur. Mais tu dis douceur. Le Saint-Esprit, c'est un qui gagne maintenant, qui a beaucoup de douceur. Beaucoup de fois, nous a donné sur les temps pour les venir. À cause de ça, qu'il nous a pitié de dire, dans tout rayon, nous dire que si on peut prier 5 minutes, nous besoin questionner nous la vie de chrétienté. Parce que nous besoin d'être communion. Nous devons être communion. Communion. Donner sur les temps pour les venir, pour les agir. Dans notre vie. Nous pouvons cultiver ça. Hein? Ok, nous ne pouvons pas critiquer ni condamner, mais nous pouvons cultiver. On va aller au point de couteau ou pas ça, ce fidèle-là, au niveau des capables de fidèles. C'est ça qu'il nous peut faire. Nous te dire douceur. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de douceur. Nous devons accepter l'ivinier avec une douceur. Parce qu'il y a une personne sensible. Nous te dire douceur. La deuxième chose, je me filme là-bas, vous êtes capable de suivre. La deuxième chose, c'est que quand vous guettez un colombe, je veux bien comprendre qu'il y a un colombe, ce n'est pas un pigeon. Alpha Tiresias, vous trouvez qu'il est presque pareil, mais c'est vraiment un caractère vraiment différent. Un colombe comptant la pureté et la propreté. Vous êtes en même, hein? Un pigeon qui a pose pour Dieu. Mais un colombe, il est pour sélectif. Attendez, attendez. Il est pour sélectif dans ma place côté n'a pour lui poser. Suis-moi, pas rater. Nous te disons douceur. Douceur. À cause de ça, arrive un certain moment où relation avec Dieu, de se permettre d'aller nous mettre un petit peu ces choses en pratique. Amen. Et la même petite chose, c'est que quand le Saint-Esprit vient, il vient en douceur. Il vient quand il y a derrière pureté et sainteté. C'est amen. La troisième chose qui m'a capable de dire par rapport avec un colon, lit, bon, pour appeler ça en anglais, le mot là fait paix en anglais, beaucoup de nous dit en français, appelle ça guilelessness. C'est quoi guilelessness? En français, veut dire naïveté. Vous pouvez comprendre moi? Vous avez trouvé un dimon, tenez-moi bien, comprends. Je comprends ça, je vous connais ce personne. À cause ça qui, quand je cause avec le Saint-Esprit, c'est l'intimité, beaucoup. Pardonne-moi, mon capable d'aller moi Saint-Esprit. Aide-moi, s'il te plaît. Guide-moi dans la vie de tous les jours. C'est la douceur avec lui. Parce qu'il y a une quête de douceur. Il n'est pas pour vivre dans la vie tant que pénal pureté. Et tant que pénal sainteté. C'est la même. C'est ma petite chose de vérité. L'esprit de vérité. Amen. Maintenant, une autre petite chose encore. Qui ça veut dire naïveté? Je vais prendre l'exemple. Vous en trouvez un dimanche qui est innocent. Un quelqu'un qui est naïf. Vous ne pouvez pas venir comme ça. Moi, déjà, trouvé quelqu'un qui est naïf. Moi, je explique comment quelqu'un qui est naïf était. Une fois, nous tenons une rencontre parmi un jeune. Et un jeune parmi là-dedans qui est naïf. Ni naïf. C'était dans le sud, ça. Quand il suit à Clara. Nous allons dans un déjeuner ou d'un dîner. Maintenant, il ne dit pas qu'on est tellement innocent. Tellement bien, je comprends la naïveté que ça veut dire. Tellement innocent, je connais quand maintenant amène ma plat. Quand on amène ma plat, ça m'a plat là, c'est pour tout le monde sur la table. Quand on amène sa plat là, il prend, il dit, moi, tout ça mange là pour moi. Il n'est pas connu. Il est innocent, il n'est pas connu. Mais c'est une petite chose, je garde mon zénès, tu manges au coco là. Vraiment, maintenant, il commence à prendre plaisir, il m'en arrête maintenant. Heureusement, je m'en dis, laisse-y tranquille. Il n'est pas connu, laisse-y vous montrer. Mais c'est une naïveté, c'est-à-dire quelque part, c'est une sincérité du cœur.
comment y aider, il dit comme ça même. C'est la même, non? Amen. Okay. On peut continuer? Amen. Deuxième, c'est un petit peu qui est straightforward. Le Saint-Esprit, c'est une personne, quand un coquin, il dit pas pour dire à moi, laisse-le, papa. Et un coquin. Amen. C'est la même. Amen. Hey. Amen. Pas fais hypocrisie. Amen. Viens droit. Pardonner. Il prend, il s'en voilà tout ça. Alléluia. Comment sauver pardonner mon cas Jésus fait. Comment vous faire le David au Jésus. Amen. Déçu. Je trouve ça un peu drôle. Pardonne-moi, je vous salue pour ça. Parce que pourquoi? Parce que ça vous concerne ma étude qui est dans le futur. Si un démon est dans l'église, il n'est pas capable de dire du tout de ce camarade. Le Saint-Esprit vous est straightforward avec lui. Wow. Il n'est pas possible ça. C'est l'amour, l'unité, simplicité. Le Saint-Esprit est là. Amen. Vous êtes là, mais... Amen. Je vais tout moins drôle de vous dire. Les heartless. Frère, heartless, c'est quoi? Il n'est pas venu faire démonstration and show. Alléluia. My heavens. Amen. Peine une chose ici. Avec lui. Amen. Il est une direct. Si vous trouvez qu'un quelqu'un rempli du Saint-Esprit, un quelqu'un rempli de l'orgueil de lui-même, si vous trouvez la différence. Un quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, un miracle arrive, gloire à Dieu, qui allait lui aller. Mais quand un quelqu'un est rempli de lui-même, pardonne-moi. Et là, je peux connaître qui vous plaisir. Je ne peux pas vous nommer le nom de la personne parce qu'il n'est pas bon. Beaucoup de personnes, ils font beaucoup de bêtises après qu'ils nous ont répandu. Et je vous dis pas dans le ministère. Mais un grand homme de Dieu, c'est très grand. Parce que tout le temps, dans tous les meetings, je fais un show. Wow. C'est pas même. Amen. Parce que je fais un show, l'élan qui avait la gloire vient pour l'homme. Le Saint-Esprit, il a petit à petit commencé à se ramener parce qu'il n'est pas une personne qui fait un mal cinéma. Amen, 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 amen. My heavens. Alléluia. Il n'est pas, un quelqu'un qui fait cinéma. Il y a quelqu'un qui est droit, il est direct, il est saint. Au contraire, il y a Jésus qui dit, il faut prendre des choses de moi-même et pour glorifier moi. Amen. C'est amen. Amen. Bon, mais cause comme ça, dit tout. Amen. 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 Vous aurez ouvert. Nous allons continuer. Amen. Waouh, les temps passent vite. Ça, c'est quelque chose avec la colombe. Deuxième chose qui prend référence, nous pouvons prendre ce caractère-là. Hein. Les douces, les directs. Et puis, qui nous dit? Moi, je vais vous dire, je vais vous dire. Le gars, qui nous dit? Naïf. Naïf, oui, il y en a un là-haut. Pierreté, sainteté. Sainteté. Et voilà. La naïveté. Deuxième petite chose par rapport au feu. Tu dis le feu. Le feu. On prend l'exemple, le feu. Le feu de Moïse. Pour Moïse, hein, regarde-moi, regarde le Nouveau Testament, comment et l'Ancien Testament est différent avec le Nouveau Testament. Suis-moi, je vous comprends. Moïse, il disait, monte sur la montagne pour y avoir une rencontre avec Dieu. Et Dieu t'a dit comme cela, regarde le feu. Tu dis le feu. Le feu. Regarde le feu, il est pareil. Suis-moi, je vous comprends comme au Pérodal. Le feu, il paraît, ça a différent, pas il peut brûler. Il montait, il peut rentrer, il dit, ôte tes souliers, et tes sandales, Moïse. Le Dieu que tu étais, dit ça. Moïse, il dit, monte le montagne pour besoin de Dieu. L'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, le feu fait vivre vers nous. Amen. La Pentecôte. Le feu fait une descente, qui l'indie? Il descend comme des langues. De feu, donc chacun d'entre eux, nous disons langue de feu. Moi, je mettre un petit dessin là-bas, langue de feu, je trouvais que je m'en dans un fou. Dans un fou, quand sorti, un petit sorti là, c'est un qui appelle la langue du feu. Tu comprends moi là? Langue de feu. Maintenant, je veux bien comprendre pourquoi le Saint-Esprit il prend relation par rapport au feu. Il n'est pas un feu dévastatrice, comme un, la forêt peut prendre du feu. Il y a un feu, appelle une langue de feu. Pourquoi une langue de feu? Parce que chaque personne qui l'a, c'est une langue de feu. Dis-moi une langue de feu. Une langue de feu. Le Saint-Esprit, pas pour faire une langue de feu, reste la case. Et dis-moi, il n'est pas venu à l'église. Bon, vous pouvez expliquer ce qu'il fait.
Mon papa, non. Parce que pour manger cuit, si ça que l'homme devait dire mourir sa carte, est-ce que vous mangez cuit? Non. Si moi langue de feu, moi j'ai l'obligation d'être présent dans la maison de Dieu. Amen. Parce qu'il m'a dit fait pour bien briller, te dit fait que ce dit fait pour nous faire ça. Amen. Dévorant l'âme des saints. C'est nos responsabilités d'être présents à l'église. Amen. Moi j'ai dit fait moi. Amen. Il y a un dit fait. Ça qu'elle a dit fait. Quand costez nous ensemble des langues de feu. La porte fait ou dans erreur. Je me corrige. Non, je ne suis pas en erreur. Il est écrit, ils étaient tous séparés ensemble dans le lieu céleste, dans le lieu haut, dans la chambre haute. Ils étaient tous ensemble. Quand tous ensemble, l'Esprit de Dieu est descend. Parce qu'il est l'Esprit de feu. Il n'est pas l'Esprit de individualisme. C'est la même? Oui. Moi, tu fais quoi ça avec frère là hier? Chacun dans ce don, chacun dans ce talent, chacun bien fait ce travail. Quand je viens incroyablement, je peux dire ça, pardonne-moi. Je ne sais pas qui fait mon yasté, je peux trouver pourquoi mon yasté. Mon yasté, la case, mon bini, je peux lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, 13 et 14. Il parle que nous sommes un écho. Si tout l'écho tient lié, qui tu peux arriver? À cause de ça, Dieu qui prend les qui chacun dans notre travail pour faire. Unir tout ensemble, au contraire. Ce qui plus faible, ce qui plus fort, là, vous avez voté ici. Amen. Et c'est un mot à ce terme-là, là, le Saint-Esprit parle à l'église. Frère, qui vous peut dire, dans tous les sept l'église de l'Apocalypse, à lire, vous trouvez, l'Esprit dit à l'église, l'Esprit dit à l'église, et l'Esprit parle à chacun d'entre nous. Il est important pour resserrer les liens maintenant. Amen. Unir ensemble, causer ensemble, nous mêlons de feu. Amen. Et quand nous mettons ensemble, nous mettons l'équerre ensemble. Tu disais l'équerre. Quand on met l'équerre ensemble, mettre les. On va gagner un billet. Mettre l'équerre des fois pour nous mettre tout ensemble. Amen. Mettre tout ensemble. Amen. Pour nous capables de langue de feu. Parce qu'il est important. Frère, mais pourquoi il est important? Car il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Sans l'amour, nous sommes rien. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, langue de feu pour descendre, pour aider qu'il nous ensemble d'une seule pensée, d'une seule équerre. Amen. Le fusil de feu. Le feu. Nous parle sur la colombe. Nous parle sur le feu. Mais qui vous parlez de ça, c'est un frère? Noir guet anti-secret. Guet vraiment dit anti-secret. Amen. Le livre de Matthieu 3, verset 16. On termine sur cela. Le livre de Matthieu 3, verset 16. Donne-moi 5 minutes avec eux. Et puis, nous passons un petit moment ensemble dans la prière. Amen. Matthieu 3, 16. Vous êtes là? Amen. Vous devez suivre? Il est OK? On va faire trop vite. 3, 16. Lydia. Dès que Jésus eut été baptisé et sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrissent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La version plus près de l'original, la version KJV, King James Version, moi qui mettez là-bas. Il dit, he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning upon him. Amen. Pas rien. Il dit, comme une colombe. Maintenant, lightning, c'est quoi? Lightning veut dire un rayon de lumière. Suive-moi là, hein? Il n'y a pas autant que du bien, là. Il n'y a pas de la fin en déo doctrine, là, il est en doctrine. Je tiens à comprendre que mon éclair, de tout le monde, je vous éclaire, non? Éclair n'est pas appelé lighting, n'est pas appelé lightning. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je t'attire que ce dictionnaire, je vous trouvais que mon réunion de mon éclair est appelé flash of lighting. Ok, je peux continuer? Frère, avec qui vous pouvez vous dire? Nous vous basons tous sur la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons expliquer pourquoi, quand le Saint-Esprit vient, vous sentez tous à faire, comment dire, comment appeler ça, un goosebump. Pourquoi nous sentons l'atmosphère électrifiée, je m'indique qu'il vive avec le Saint-Esprit, je vous connais.
Quand je vous trouve, moi, dès quelque part, je trouve que c'est pardonne-moi pour le mot, causé quand ils sont dans façon créole. Moi, quand causé, moi, sentiment d'être c'est dressé, nous sentiment d'être l'atmosphère sans enzyme, nous sentiment d'être tout est dressé avec nous. Pourquoi? Nous pouvons guetter pourquoi? Dans la version française, là, pas de problème, on a fini de traduire. Mais dans la version originale, c'est latin. Nous pouvons guetter. Ouvrez la Bible maintenant. Nous vous basons sur la parole de Dieu, vous êtes comprendre que nous devons aller. Le livre de Ézéchiel, chapitre 1er, le verset 13. De vous dans cette réponse aujourd'hui. Ézéchiel 1er, verset 13. Nous comprenons que sa vision-là se trouve devant le trône de Dieu. Ézéchiel qui trouve devant le trône de Dieu, notre ma chérie, vous êtes d'accord avec moi? Le verset 13. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante. Vous êtes d'accord avec moi, Lighting? Ok? Il jetait. Comment on est arrivé là? Oui. Il jetait une lumière éclatante et il en sautait des éclairs. Dans la lumière là, sautait des éclairs. Frère, mais qui vous peut dire au nous là? C'est qui m'opère au nous comme cela aujourd'hui? Et la puissance. Suis-moi, Stéphane. Guette-moi bien, apparemment. Parade sa parole là. Et la puissance qui est autour du trône de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Cette puissance a été révélée par la personne du Saint-Esprit. Comment se fait-il? Il est écrit, même puissance qu'il ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts, il habite en moi. Mon deuxième dernière élaboration de la Trinité, mon gagné mon partage avec vous. C'est exactement. Je tout le travail de bâtiment, je tout connais une comprend courant. Je tout comprends courant comment était? Ok, c'est qui pas connaît pas maintenant. Dieu y ressemblait sa centrale courant là. Suivez-moi bien. Jésus-Christ ressemblait sa diffile qui amène courant là. Le Saint-Esprit ressemblait l'électricité. Pour connaître le Père avec la tête. Ouais. Je comprends moi là. Le Père, c'est la puissance. Pour connecter la puissance sur la terre, Jésus vient de la terre. Jésus, c'est le câble qui connectait Papa là avec la terre. Coup de courant là, c'est le Saint-Esprit là. Je gagne moi là. Qui était ça? Qui on peut dire faire courant là, Saint-Esprit? La puissance du ciel habite en toi. À cause ça qui te pas pour malade. À cause ça qui te donne malade te pour guérir. Qui te sauve, qui te pas capable faire, te pour capable faire. Amen. Je peux tout par celui qui me fortifie. Courant la côte sortie dans le Père connecté en bas. La lame te trouve qui tient dans un qui qu'un. Qui tient là. Transporté par le Saint-Esprit, boum, il apparaît dans notre place. La puissance en action. Le tenu-côte, Élie. Comprends-moi bien, Élie. Élie, fini tu es prophète de Baal, à cap fait galoper, il y a ta soleil qui galope devant Akab. Dans la Bible, ça. Pas guettement obligé. Galope devant, avec la force. Samson, point d'affect, tu es presque 1000 philistins. Comment? La puissance. Maintenant, faute de connaissance, le peuple y périt. Tout quelqu'un qui croit qu'il n'est pas capable de faire l'affaire, je ne suis pas capable. Amen. Amen. Parce que la puissance de Dieu habite en moi. Frère, mais qui m'a permis de faire dans mon travail pour être la tête, non pas la queue, mais de la puissance de Dieu en toi. Amen. Il commence devant toi. Mais frère, mon papa être la tête, c'est un petit coup la cornalité de la vie. D'être la même. Amen. Nous te disons puissance. Puissance. Gétez-moi dire puissance. Puissance. Amen. Livre Éphésiens, chapitre 1er, verset 19-21, qui dit la puissance. Ok? Il dit, same power that conquered the grave lives in me. Même puissance qui fait vaincre la mort habite en moi. Amen. Et pourquoi dire certaines affaires? Pardonne-moi. Moi, tu as pensé avec Yom Kisho.
Donc je tous les grands matins, ils finissent dire, par les, pas les bien, ni pas bien, ils finissent dire, par les maîtrisures de Jésus-Christ, me finir la guérison. La confession de la parole, il amène la puissance du Saint-Esprit dans de la vie. Amen. 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 L'épée de l'Esprit qui est là. Parole. Parole. L'épée de l'Esprit qui est la parole. Quand tu prends la parole, tu speak the word. Limite la puissance du ciel qui descend en bas. Amen. Je comprends moi là. Amen. Il est difficile. Donc tout ton problème, te troubler, ne pas trouver, cause la parole. Continue de causer. Mets la foi pour venir, pour venir, pour venir, pour venir. Mais continue de venir. Amen. Mais c'est moi pour réussir dans toutes les circonstances. Amen. Amen. Pour terminer, maintenant. Je vais comprendre qui tu es. De l'Acte des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Je trouve à lire, je vous trouvais. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. La puissance, tu dis la puissance. Amen. Beaucoup de monde servit la puissance du Saint-Esprit pour faire du mal. Il va bosser. Beaucoup de monde servit la puissance du Saint-Esprit pour monter dans la statue, dans la société. Ça ne marche pas. Amen. Le Saint-Esprit pour de toi la puissance pour te rendre dans l'hôpital pour te guérir un démon. Amen. Ça n'est pas avec toi. Amen. Mais du moment que le démon guérit, il sortit avec toi. Te déconnecter. Je te la même. Fonctionnement. Je te la même. Mais seulement cette puissance, ma musicien prend place sur mais seulement cette puissance, c'est une puissance avec beaucoup de douceur. Amen. Amen. Avec beaucoup de douceur. Pour terminer aujourd'hui. Amen. Mais il est important de savoir qui est non un qui est qui à côté de toi. L'envie habite en toi. Amen. Il est de toi la force, le courage, la grâce, la paix. Mais c'est moi, erreur qui chrétien, puis encore peut faire, ne peut encore pas croire qu'il est capable de faire quelque chose. Quand vous connaissez vraiment le Saint-Esprit réel, tu peux se croire. Quand tu es levé grand matin, tu dis Saint-Esprit, donne-moi la force, le courage, sans toi, mon papa. Amen. Tu es passé, tu mets du bout de bistop, tu dis Saint-Esprit, Bissa pour Vinina, qui m'a fait là moi, tu ne peux pas voir un qui qu'un, pipi, frère, vite de passer. Amen, amen, amen. Là, il est comme une réelle, parce que pourquoi? Expérience, lui. Quand tu as dormi à soi, tu connais. Fais-moi un bon rêve, un rêve. Révèle-moi, montre-moi un petit chose dans le futur. Quand tu dormais, tu te trouvais avec quelqu'un qui longtemps te pas connecté, te blesse beaucoup. Quand tu te lèves, tu te dis Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force par rapport à ça, dis-moi. Comme quelqu'un qui est down dans la vie, pleurer. Et tu m'as trouvé la force. Il vient, il remplit toi, il met un petit bout de lumière. Il est Dieu au-dedans de toi. Il est réel, il existait. Si je suis tiens moi les gars, mais devant ce vous dire ce moi, hé, pas rate lui. Amen. Rate tout, mais pas rate lui. Amen. Lila, tous les jours, Lila, il soutient toi, il donne toi la parole, il est toi, il envie. Il est là, il est déjà là, Lila. Amour, mon petit azote, il est ici. Lila, là. Amen. C'est ta même, c'est ta même, Dieu de vous. Mais c'est mon bon fait, nous faire les mots de ma musique. Very cool. Cool, complètement cool. Tu chantes aujourd'hui. Un chant pour la gloire de Dieu. Un chant qui nous désabonne au nom de Jésus-Christ. Thank you, Father. Merci, Seigneur Dieu. Regarde ce moment vraiment, avec beaucoup de douceur, Lila, au milieu de nous, on ressentit sa présence. Amen. Et dans la prière, mon Dieu Seigneur, qu'ils soient capables, chacun d'entre eux, comme toi, Saint-Esprit, de réellement, comme un Dieu qui vit en milieu de ça. Remplis-moi de Dieu, puissant.
bien un désir pour